On parle de Bébé Jacques. Bébé Jacques, son documentaire. New Blues and Old Wine, le film, partie 1. Il a pris les connexions qu'il a fait avec Netflix et il a engagé ceux qui ont fait l'émission pour lui faire un documentaire. C'est beau ça, non? En fait, je sais pas, j'ai de la merde. Je suis même pas informé. Je viens d'apprendre qu'il a fait un documentaire. New Blues, les vieux vins. Et si on imitait la marche des astres, après une nuit calme sous le reflet de la lune, on se promenait dans le froid, café brûlant sur le quai de la gare. Je t'aimais, je tente ma lead, histoire de question de leur temps de la joue. Il paraît que c'était que de la gueule. Vu la manière, y avait pas de fond. On s'est accommodé au regard qui pèse. Ciao, t'es sans doute dans le train qui passe. Je fatigue mais je lâche des 16. Est-ce qu'on touche du bois, on enlace des chaînes. On aurait dû se passer des mots et s'en remettre au signe. Une fois l'album bouclé, je dois le mettre en scène. À deux doigts de se perdre, on a oublié de dire à nos refs qu'on est fiers d'eux. La pente, elle était plus que raide. Ouais babe, j'suis pas là, y'a l'album qui arrive. Je veux ni faire le poète, ni faire le quinri. Deux doigts de se perdre. Une fois l'album bouclé, je dois le mettre en scène. N'oubliez de dire à nos refs qu'on est fiers d'eux. La pente, elle était plus que raide. Je parlais de moi, de façon, il fallait que je vous parle de quelque chose. Laisse passer le temps, on regardera la lune avec un verre de rouge. Les images passaient tellement vite. Je quitte le studio, le soleil se lève. Premier arrivé, dernier qui part. Reste une session et un dernier 10 balles. Y'a de la poussière sur les photos au mur. J'ai oublié la finalité de toutes ces merdes. Je viens de gagner 2K grâce à Messi. Il est 5h22. T'avais mis combien? Ça aurait dû être qu'une connerie de plus. Je m'efface, laisse traîner la prod. Félicitations, mon ref. Fais manger les frères. C'est ce que je veux dire. Non, je rigole. Exactement les doigts que je mets. Ça c'est pour doigter, puis ça c'est quand tu le rentres dans le trou. Si tu penses que je rigole. Il peut se passer quelque chose. Et coupe le son du bout de ton casque, comme ça tu l'entendras pas. Ouais. Sofiane Parma. Oh, c'est un gros pianiste, ça. Allez, vas-y, frérot, si tu peux rec. Ça rec, fais-nous un signe si c'est bon. Ok, let's go. C'est parti, frère. Le rouage. En fait, ce que j'explique à Hero, c'est que l'album, moi, cet album, je le rêve depuis que je suis ado.
Et j'avais pas le moyen de le faire dès le premier album. Donc j'ai fait ce premier album qui est très important, ce deuxième album qui est très important. Celui-là, je le rêve depuis le début. Il a une histoire de baiser. Genre en mode celui-là, personne n'y croyait en vrai. Tu vois. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est l'album passerelle en fait. Ah, toi, t'es. Ah, tu penses que. Lui, il dit celui-là. Là, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Non, moi, c'est le fait que je suis. 6 février 2022. Ah ouais, on est dans des archives là. Ouais, 30 minutes c'est bien. 30 minutes à finir. Mais après, encore, vous devez le sortir demain, ce que en fait. Il faut se bouger quoi, parce qu'il reste 15 minutes à tout passer quoi. Ça roule, ça tourne là. Ouais. Let's go. Fuck off. Fuck off! Ah, c'est que je sois un personnage à skip, vous baisse mon personnel. 23h30, attention, un tournage boss. Et on profite avant que tout le monde le sache. Tout est là. Ça sur la tout est là. Tout est là. C'est plus un clip. On a fini le feu clip. Ça, c'est un docu. Y'a rien féminisé. Ah, mais tu, viens, on parle d'art et pas du reste. Pendant qu'il tweet fuck off, ligne 1, j'essaie de gratter au milieu d'une équipe. T'as peur. Tout le monde aura sa part. On est bon? J'imagine que c'est comme ça tout le temps en ce moment. Comment tu deals avec ce nouveau statut en fait? Avec Zelle. Par exemple, là, juste après, je dois retourner au studio. Je vais capturer tout. Il paraît d'être là dans le moment présent. Est-ce que t'anticipes aussi énormément gars, attends. Va arriver. Avant qu'on avance, vu qu'on est dans le thème artistique, tout ça, est-ce que vous pensez que le vernis, c'est homosexuel ou quoi? Parce que les seuls gars qui sont confortables avec leur sexualité en parlant de genre, ils n'ont rien à craindre, c'est eux qui sont le plus à l'aise à faire ce genre de dinguerie, tu vois. A$AP Rocky, les trucs comme ça. Ça, c'est. Moi, je vois artistiquement. Je vois pas comme un truc genre tu veux me faire ma manicure putain regarde mes vernis oulala. Moi je kiffe le vernis, c'est trop beau. Quand même calme hein. Je sais pas si t'es un homme ou une femme, même si ça change pas, mais je suis en couple hein, je suis pris déjà. Mais sinon c'est de l'arbre. En France, tout le monde voit ça comme gay. Et je vous dis, moi, je débarque en France, je suis tellement à l'aise à faire ce genre de truc que je vous dis, je vous voler vos meufs. Non. C'est faux. Qu'est-ce que je raconte, moi, voler des meufs? Mais c'est vrai, je peux pas prier avec ça. En islam, je peux pas prier avec ça, normalement. Tu peux faire ça que si t'es un rappeur, sinon, et t'es gal gay. Tu peux faire ça dans tous les cas, bro. C'est juste qu'il faut que tu sois à l'aise à prendre les critiques, bro. Si quelqu'un te dit que t'es gay ou que ça fait de toi un gay parce que tu mets du vernis et que tu vas te questionner ta sexualité, c'est que t'étais déjà fébrile. C'est pas le vernis qui t'a rendu gay, t'étais déjà fébrile. Tu savais pas si t'étais gay ou pas. Moi, je sais que je suis pas gay. Je peux le mettre et je sais que je suis pas gay, tu vois ce que je veux dire. Je vais choper des meufs même si j'ai ça. Tu vois ce que je veux dire. Mais si ça t'ébranle, si ça, tu mets ça, tu vois ça comme si t'as franchi une ligne. Frère, quand tu as sucé des bites, tu vas penser que c'est rien alors. Tu vois ce que je veux dire? C'est une grosse parenthèse quand même. On a l'impression que tu racontes ce que tu viens de vivre. Tu as pu écrire le soir quelque chose que tu as vécu. Tu veux de l'autotune ou... Non, rien de nature. Je repense à ce gamin avec des yeux bleus que le ciel. Les viens, on fait des feux, on s'arrache les cils, on a dansé. On s'est déchasté le lac des cygnes. Berlin. Ouais. Attends, on est en Allemagne. Et peut-être une voix qui traîne. Le S, Gauthier. Sexe et comportement. Arrête. Un son classe, un grand calu. Pourquoi c'est flou? Le container. J'ai vais... c'était un fan. Je vois plus dans le rétro à l'esprit d'aller. La fin d'un couplet ou le début d'un autre. La fin d'un album qui marque le début d'un autre. J'arrête pas depuis le début d'année. On est des artistes, on n'est pas des putains cliques. Putain. Claire, non, c'est nouveau dans la bouche. Oh, colosse. On parle de faire du vernissage. Attends, on dirait pas un DH chez Sony avec ma paire de Nike. Oh, quand même, rouge à lèvres. Ouais, non, ça c'est dépassé les bords. J'ai besoin que tu checkes avec Arne pour les factures, s'il te plaît. Parce que là, le gars, il a besoin. Et on n'arrive pas à savoir sur l'essence. Oui, j'ai pas été un dinguerie. Je vais faire des trucs au clair avec lui, comme ça, moi, après, je vais faire ça.
Mais là, qu'est-ce qui t'en met un cul? Attends, j'ai une question pour savoir si ce mot, c'est un mot qui se fait cancel ou pas. J'allais dire un terme. Ah, mais travesti, c'est pas... Non, pas ça. Travesti. Un travesti. Un ou une travesti, je sais pas. Parce que c'est un terme péjoratif. Bah, c'est eux qui se mettent des rouges à... Ben, en fait, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, pour de rien. C'est juste pas mon délire. Je sais pas si travesti, c'est... Je l'ai répété plusieurs fois, je suis un baiser quand même. Je sais même pas si c'est un mot qui se fait cancel. Ça se trouve, j'ai dit nazi trois fois. Allemagne, Berlin, c'est pour ça que j'ai... Bref. Damn, des fois, je suis un con. Ta vidéo sortira pas. Fuck that. C'est mon erreur, le bac 4 qui traîne. Mais le seul truc que j'ai, c'est que le sale, il est en vacances là pour me faire les MP3, aller en wave, tout ça. On peut demander à Augustin ou KX, là, je les ai mis en plus sur gratitude. D'ailleurs, il faut aller retrouver. À cause de ta meuf que tu as mis ça. J'avais déjà mis avant. Du Grand Paris. Mais c'est vrai que ma meuf m'a beaucoup influencé. Alpha, tout ça. Adidas. Urgence, voir comment on peut s'organiser. Le 101 heure ou c'est quoi ça? Prévenir le frère, on peut pas le faire. Ouais, y a un autre truc, on avait prévu une espèce de bordel, quelque chose. Paris s'est mouvementé. Connexion sale, le queuge. Ardente. C'est midi. Là, il vit sa best life. Vive l'amour, fuck la fame. Si je sors du studio, c'est pour de la scène. Vive l'amour, fuck la fame. La vidéo du potager, je l'ai mis dans le four, on l'a pas encore vue. On va faire ça demain. Je vais pas dire n'importe quoi, mais le documentaire a aucune direction. C'est un mashup de clips, ça.
il a divisé ça en deux. Du monde. Voilà, il l'a montré aujourd'hui. Après, il a peut-être pas marqué, mais on est passé, c'est le plus important. Et ça a profité à Dima, qui a fait un super match. Dima. Vous préférez Bébé Jacques avec ou sans? Jamais. T'es pas souffle. Les gars, vous préférez Bébé Jacques avec ou sans le béret? Non, c'est même pas. Moi, je suis heureux. J'aime ce que je fais. J'ai pas besoin de souffler plus que ça. Non, hein? Laisse traîner notre deux pianos, nique la prise. On a fait assez de cachets pour dire nique la prime. Je reste dans mon coin, il faut que j'écrive la suite. Ça J'aimais bien avec, il y avait un truc. J'ai pas envie de te casser les couilles, à t'exposer le truc, tout te faire écouter. Mais j'ai déjà rentré tout son, okay. En gros. Et l'album, c'est vraiment pour le 2 décembre. Ah ouais, c'est imminent. C'est imminent, vraiment, tu vois. Et Tu dois rendre tout ça en un ou deux mois avant, ça dépend. C'est ça, exactement. Je dois rendre tout en octobre, en fait. Je sors en physique aussi, donc du coup, bien sûr. Sorti que cette année, tu vois, ça doit être la mienne. C'est pour ça que je vais frapper en 2020. Bien sûr, attends, mais là, c'est parfait. Tu es sur un timing qui tue. Moi, je vais attendre. C'est pour ça, l'album, là, on a dans l'album un moment où il y a 4 sons qui sont un peu trop dans la même couleur. D'accord. Donc je vais venir un peu nuancer ça, casser ça. C'est un peu le moment où t'as l'impression que c'est un peu new-yorkais, assez chic, assez classe. Ah, donc tu apportes du spleen, apportes de la mélancolie. C'est ça. Le Sale et OB, c'est vraiment les beatmakers avec qui je travaille sur l'album d'avant. Ouais. Là, on a continué ensemble avec tous les beatmakers. Le Sale Chronique Ayas. Twinsmatic. BBP. Là, t'évites ça totalement et je trouve que assumer avec l'entrée de l'album, l'intro, les deux sons avec Twin, qui tu vois ramène une couleur beaucoup plus chaude, c'est d'autres accords, on t'a pas entendu là-dessus, c'est travaillé, il y a du détail, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire parce que ce CD il aura une place dans ta discographie, à part. Le truc c'est qu'évidemment il faut pas changer pour changer, c'est parfois tu fais un truc différent, mais que l'efficacité elle est plus là. Masterclass, l'album de Rally. Edgar. Ouais, y'a pas un truc. Y'a aucun formatage. Exactement. Il s'est dit, il lui faut un titre comme ça, donc il a fait. Alors que quand t'écoutes NDSM, tu te dis, ah putain, c'est lui. Ou quand t'écoutes un MMS, tu peux te dire, c'est lui. Moi, parfois, j'ai des petites visions. Quand j'écoute mon NDSM, je sens un petit truc. NDSM. Heureusement qu'il y a eu l'effet Jules PNL. Sauf qu'on parle de gars qui sont staffés et de gars qui sont smart. Twins Magic. Ça vend du rêve de. J'ai une discussion avec le patron d'Eggy, il me disait ça, il me disait les frères, ils sont mignons, ils font les entrepreneurs. Ouais, mais en fait, on parle d'étoiles filantes. Ça veut dire que c'est bien, tu vois, ils montrent que c'est possible de le faire, tu vois. Mais c'est un profil qui est extrêmement rare. Profite l'instant que le monde nous vole. Prochain album, je vais gratter dans le sable. On a de l'espace, laisse les gosses courir. Et dire que tout ça, c'était presque parfait. Tu l'as perdu, c'était peut-être ta faute. Ça c'était avant d'être des têtes d'affiche. On peut aller dans ce sens là et en fait on peut déplacer Metro et Bébé Buzz ici et faire entrer Twinsmatic 2 et 1 dès le départ. Je suis pas chaud. C'est bon, pas forcément. C'est bon. Je suis vraiment dans Twinsmatic 2 et 1, c'est qu'ils enchaînent. Justement, ils enchaînent vraiment bien le coin. La fin, la vie de ma mère, la dernière feuille, faut pas la toucher. C'est-à-dire que moi, ma DA, elle est très singulière. Parce que pour avoir sa fille, personne ne va me formater. C'est impossible, les gars, ils essaient même pas. Même quand ils mettent des sommes exorbitantes, ils essaient. Eggie. Et ils disent, on est des extrémistes. Attends, ça avait l'air lourd. Comment ils s'ambiançaient dans avec le son là, non? Et ils disent on est des extrémistes. Incroyable la science là. Vraiment assumer cette DA ici.
je te laisserai me dire ce que t'en penses après. Ici, il y a une espèce d'interlude qui arrive qui vient faire respirer un peu le projet avant de le relancer sur quelque chose de plus dur encore. Ouais. Avec Bluebird qui donne un nouveau souffle sur l'intro. Le fameux Colors. Ensuite, ici, c'est là où je souhaite travailler. Donc c'est là où j'ai encore quelques doutes ici. Il n'y a rien qui sonne pas à sa place. C'est ton univers, mais tu l'as étendu. Il y a des morceaux où tu es surpris de t'entendre sur certaines progressions d'accords. Je pensais pas t'entendre dessus, tu vois. Mais ça le fait. Hein, c'était un peu le pari. Dans un laps de temps très restreint pour proposer d'autres perspectives encore dans cet univers. Ouais. Le truc, c'est illimité, quoi, tu vois. Donc la DA est adaptable. Enfin, que c'est la même DA, mais que la voix, en fait, le ton, le truc, vraiment. Et là, je revenais avec le bonbon. Ouais. Pardon, tu vois. Là, l'interlude. L'interlude, j'en vois. Bluebird. Fuck la fame. Mm. Colors. Ça, c'est méchant. Là, c'est cette troisième partie. Et là, du coup, mal, quand là, de son bah, même la structure. C'est là, juste... là, c'est là que tu vois que c'est à faire avec des professionnels de la musique et non à faire avec des rappeurs qui rappent pour rapper. Tu vois, il y a un ordre. Tu vois, c'est pensé, c'est réfléchi. Vous voyez, quand il a dit. On a besoin d'une interlude pour faire respirer l'album, pour ensuite enchaîner avec ça. Colors, c'était single, drop, si. Là, on parle de professionnels, c'est des grands cerveaux de la musique qui parlent. C'est pas faire de la musique pour ni les TikTok, ni la tendance, ni ci, ni ça. Là, c'est. J'apprécie, j'aime bien. J'aime bien voir ça. Justement, je me dis que ça et ça, c'est bon. Le débat, il est. Juste ici. Du coup, c'est en garde 16 là, c'est lesquels sur la sellette? Alors là, ceux qui sont sur la sellette, là, au moment où on parle, c'est né un jour bleu et chambre de soleil. Tout est calculé. C'est fou, c'est des bangers. Bah ouais, mais c'est le principe des sellettes, frère. Bah là, sans refrain, de devenir aussi. Rien, ouais, exactement. Moi, c'est là, j'ai l'impression qu'il y a un refrain. C'est là où c'est intéressant, c'est que tu marques le contraste. C'est que toi. Tu vois, l'artiste nous guide dans son univers. Quoi. C'est pas, il nous balance n'importe quoi et. On attrape ça dans notre face là. Mais en fait, t'es dans un calme, tu vas nuancer. C'est-à-dire que tu vois dans le délire New York, tout ça. Alexandria, tout ça. Ça reste, ouais, voilà, exact. Ça reste calme, tu vois. Et c'est une nuance de. En fait, tu déclines le calme. Mais moi, je te conseille quand même d'essayer de pousser les arrangements au max quand tu fais ta session. Ça te ressemble. Ça, demain, on va pouvoir. Je vais pouvoir, en fait, les mettre face aux arrangements directement, les gars. Vous parlez d'Engur depuis le départ. Le que j'ai un grand débat. Et même le côté innovation, c'est l'électro. Ouais. Tu vois, si même ça, les Kavinsky, on parlait de The Blaze, Territory Duck. Frère, comme c'est du up tempo. Et c'est pas du piano, accord mineur et tout, etc. Ça met dans un autre truc tout en. Parce que c'est majeur, tout en gardant le côté bébé Jacques pur. Comment ils appellent ça les carrés? Il a parlé de techno. C'est pas les feeders, pour dire en gros, c'est pas les bastos, c'est les sessions qui font bien. Et qui font que l'écoute est agréable. Qui est très, très écrit, qui va toucher une hype, mais qui touche pas le main. Ça, je veux dire. Et aujourd'hui, maintenant, cette schizophrénie, il faut l'assumer. Tu es obligé de mettre des fenêtres en disant je vais toucher l'autre. Je suis d'accord. Je vais toucher l'autre. Donc, je dois faire deux ou trois fenêtres qui correspondent à mon ADN, mais il faut que je prenne un risque. Il faut que j'ai un peu peur. Si t'as pas peur, ton album, t'as fait un album pour confirmer ta base. C'est tout. Je ne peux faire aucune chose dont tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas ton producteur, tu es ton producteur. Pour être très clair avec toi, le prochain. Enfin, c'est quoi, ne parlez pas de marketing sur le prochain. Et en gros, lui demande pas de faire, il va le faire tout seul. Voilà, moi j'ai dit ça va venir naturellement. C'est un marginal, c'est un Mark London. Il demande de faire quelque chose, il va faire le contraire. Hey les gars, vous voulez savoir un truc que j'ai appris dans l'industrie de la musique qui m'a ébloui? Bébé Jacques, il est sûrement signé, tu vois ce que je veux dire, à un label. Bébé Jacques pourrait faire la musique dans sa grotte, dans son studio, et le label lui chargerait pour des frais de studio. Est-ce que vous comprenez? C'est Jacques qui a dit un truc comme ça, genre, il a fait un album, il a recordé tout l'album chez lui, le label lui a mis des frais de studio dans ses factures. Alors qu'il a tout fait lui-même.
Imaginez-vous comment. Voyez à quel point l'industrie de la musique, c'est de la foutaise. Comment les artistes font baiser à gauche, à droite. Si tu vérifies pas par toi-même, ton argent va où, bro? C'est dans des trucs comme ça que tu t'échappes des sommes incroyables. Que tu te fais finesse. Ouais, je suis là, j'écris mon texte, j'écris, je rappe, je suis au micro, là. Ça, j'aime pas. J'aime quand le rappeur, il réédite des trucs, mais pas qu'il rappe sur le mon gars. Rappe. Mais si t'écoutes bien... Mais même lire les contrats, ça sauve pas les fesses. En fait, c'est une description. C'est une description de ta vie. Et de la description, en fait, on part à un truc qui est plus général. Tu vois, c'est pour ça que c'est un récit, tu vois. C'est ça, je sais. Et moi, quand tu parles de trucs poétiques, de machin et tout, je me le prends en pleine figure, je me régale. Mais je vois, en fait, je suis dans la voiture, j'écris mon texte, tu vois, ça, moi, ça me touche moins. C'est que ça, là, il y a un truc à raconter. Tout est là, en fait. Là, il y a un vrai truc à raconter. La taille qui traîne. Parce que moi, tout ce que je dis, c'est vrai. Genre, c'est vraiment, c'est ce que je vis vraiment. Ah bah, ça s'entend. Hein. Et c'est pas de. Et donc, ça, le truc, c'est que tout est là. Donc, parfois, ça semble évident, mais comment en partant de rien, bah, t'en fais quelque chose un peu. Après, ouais, je peux comprendre. C'est ton style, en fait. Il faut filmer les gens. Il faut filmer les gens. Ouais, toi, tu t'en branles de regarder un film pendant une heure, il y a juste des gens qui passent. Non, si on capture là un truc, c'est de la merde. Si je me promène dans la ville, c'est pour regarder les gens, les observer. Parce que si on filme des gens qui sont là, qui sont complètement cons, en train de se comporter comme des cons, ça se trouve c'est des étoiles filantes. On a le droit de frôler des trucs niais à l'image, juste parce que c'est beau. Juste parce que c'est beau. Juste des trucs cons. Même des tulipes de merde. Moi je veux voir des tulipes, poto. Tu regardes le cinéma chinois et japonais là? Là, ils te filment des darons qui se réveillent à 5h du matin pour faire des étirements comme ça. C'est extraordinaire. Sous des ponts comme ça. Pour que ça vous fasse du bien. Attends, c'est quoi? Pour que ça vous fasse du bien, il faut que ça fasse de la peine. Il faut que ça me fasse de la peine. Balader un garde à vue. Ah! Il a fait quoi? Attends. Eh, quelqu'un avait parlé de Pendrez. Il est là avec Chronomusique, OB et Chroniqueur Sale. Pendrez est là. On parle de gros mastermind, bro. Grosse bagarre à la sortie d'un concert. J'ai envie de dire RIP Bozo, quoi. Ah, là, oui. Oh, attends, il y a même une vidéo. Wesh. Attends, j'ai vu une vidéo, là. Annonce. Fuck. Fuck off. Hein? Fuck off. Quand même des fulgurances musicales. Ouais, c'est ça le but. C'est vrai, nous on est sur une. Nous on a toujours été dans cette optique qu'on compose. Pendrez, en 2007, je regardais tes tutos pour tes Switch. Pourquoi j'ai pas de Switch? Faut que les gens soient surpris. Non, mais il y aura des Switch. Non, mais il y a raison. En fait, j'aime bien quand les gens, en fait, faut qu'il y ait un moment qu'ils attendent dans la track. Tu vois? Tension release. Ça peut être tout, tu vois. Tu sais, ça peut être. En vrai, ça peut être tout. Ça peut être un solo de sax. Ça peut être une phase. Ça peut être. Ça peut être un drop, ça peut être tout, mais tu sais, c'est bien qu'il y ait un moment un peu. Ouais, c'est ce que tu cherchais dans Zinedine, tu te rappelles ou pas? Ouais. C'est ce petit truc où les gens ils disent. Un de tes multiples textes. Faire oublier la couleur. Moi, mon passage préféré dans la mixtape, ouais, c'est parfait. Ça, mais ça, avec ça, des fulgurances rythmiques. Mais ça, c'est. Sur de la lourdeur, c'est ça, exactement. Bah, moi aussi, je suis pas mal sur du 110. Hein. Un poil. Alors que je t'ai appris tes textes, tu ressors ta feuille. Oh. Elle était gamine, elle est devenue femme. C'était contre, ils sont devenus fans. Je supporte la pression qui m'incombe. Avant que ça paye, j'étais comme un con. Je vais poser le bigot, arrêter de gras et me faire un con. Non, mon but c'est d'avoir un step-up à chaque fois. Ouais. Okay, si, je suis content que t'en parles. Parce que moi je parle de step-up en termes de prod. De classique shit. Il y a un step-up aussi qu'on m'a fait remarquer sur le récit. Oui, ça c'est bien de raconter le jeu des Simon. Je raconte dans chaque son, je raconte plus quelque chose. Plus que des phrases et parts. Ouais, il y a un récit. Il y a plus de trame dans un morceau. Il est où le casque? 1, 2. Laisse-moi tout mettre dans un standard ou dans deux prods. Et si je résumais le bon mal en deux phases, le love, j'ai cru le voir dans deux femmes.
Je fête même plus le jour de paye, fuck off, 15 000 pélos pour le jour de l'an. Je suis payé une fortune pour faire la fête et dire que je croyais que c'était peut-être la fin. Je me fais discret, c'est pas ma faute, c'est celle de la fame. Hey baby love, tu faiblis, c'est peut-être l'affect. Fais ce que t'as à faire. Allez, bien vu, on va voir la bagarre juste après. Mais celui qui te lassait. Faut que j'écrive vraiment ce service et quitte la chambre. Avec le temps, il y a eu de grandes distances. Je suis dans la lumière, il faut que tu restes discrète. Je réponds pas, je sais que tu screens. Hein? Le love, c'est la chaise vide que tu laisses. Tout passe si vite, tu te lasses. Si vous êtes comme si de rien n'était. J'ai dû vesquer toute forme de love. Sont toujours pas à la carte mon talent. Mais je fais plus de stream. Depuis que je fais plus de sous, je deal avec plus de stress. La classique, on fait fortune, puis on fait nos vies avec des femmes plus jeunes. Finalement le glitch, Pino, je l'ai torché seul. Mais c'est pas l'illusion, on pourra pas zapper. Ramène-moi un double Jameson et filme la scène. Là en couple, faut que je finisole. Je roule un pur sur les pelouses du Vandel. J'avais juste envie d'écrire près de la mer avec un 26 cils. Dis-moi, t'es où, fuck off, viendrai pas de cher. J'ai baisé ta fiancée. Mais je dis, comment ça se réveille là, Lucie? Ah, y'a un, ouais, y'a un, ouais. Il est l'heure, on se détache. Troisième album, puis je t'étale. Babe, j'entends le bruit de tes talons. On s'est pas vu, on a dû se perdre dans la balade. Elle me dit, t'es là, je dis non. Elle me dit, m'bala, NBO. Des textes plus profonds que je mets balafre. Rentre, sans moi, faut que j'écris, faut que je me balade. Je vais devoir revoir le sens des phases. Roule dans la direction du sens des astres. Y'a certaines femmes qui changent des hommes. Je sais que ta pétasse aime le rap. Je prends des centaines de milliers pour leur faire du sale. Et le pire, c'est qu'on est fiers de ça. J'aurais pu le faire pour 10K. J'avais un rêve, c'était de faire que ça. Et en plus de les écrire, j'ai... Ah la petite pute. J'ai le plan pour venir ici, tout on a les balances à 50, toutes ces choses-là, et on nous a jamais donné des adresses pour aller chercher les actes. Fuck off, donjon, éclair brut. Ensuite tu mets pas les ah, moi je vais regarder, je vais dire, tiens, tu vois, tu tous. Tiens, prends les paillettes. Regarde ce que j'ai fait en Marseille, imagine ce que je peux faire en t-shirt. Heureusement que ça paye, hein. Oh là, c'est très américain ce qui se passe. Hein, oh, moi j'ai grandi dans le Minnesota, OB il a grandi à Oakland. Eh, ah ouais. Bébé Jacques. Où ça, Oakland. C'est ça. Ah, j'avais vu ce clip sur Twitter. Ce qui est drôle, c'est que Bébé Jacques s'est rendu un Twilos. Il est enfin sur Twitter. C'est quel quartier? Vers l'ouest. Oakland Ouest, West Oakland. FC Bébé Jacques au chômage. Là, reverse to last backup là. Ah, c'est ça. Imitation. C'est dans file. Ah, c'est bon, j'ai trouvé 4h31. Ah non, dans file, ah là je suis dans. Est-ce que Twilos c'est une insulte? Non, hein. Mais moi bientôt je suis rendu Twilos. Ça va aller DM des. Un peu plus que plus que je fais des chiffres. Tu veux que ça dure combien de temps? Je rigole. Là j'ai enregistré combien de temps? Là, depuis que j'ai les contours, je sais pas comment agir, bro. Là je te les lâche par d'autres meufs, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être un autre texte. Je suis désolé, les gars. L'autre, comme ça, je suis vraiment désolé. Plus organique après ça. Ok. Donc vas-y, je te fais un dernier shot et je t'inclus à la fin une ouverture avec le. En parlant de meufs, faut qu'on fasse une petite parenthèse là. Une autre pour leur en parler. On s'est mis dans des problèmes. L'autre parole, accroche-toi à celle d'après. C'est toujours le même bordel que je dépeins si on imitait la marche des astres. Direction le silencio pour un verre de Belize. Ça fait 2 semaines, je suis dans le studio, j'aurais pu faire un boulot à 12 pétas. C'est au pire, à combien de subscribers te lance dans le rap? Fini le texte en 18, ensuite je roule un vin. Bébé, rentre chez toi. Regarde-le, si t'es des fringues de luxe au sol, j'aurais pu écrire sur un rien, le para, c'est comme vivre sur un ring. Mais soit je recoupe, il me semble que ce serait un bon challenge. Le mec il est énervé sur une prod qui est énervée. Soit je recoupe, soit je refais un rein. Genre je drop un son, un truc comme ça. C'est trop évident. Ah, je suis speed. De moins en moins les chiffres le font. J'avais qui Miami, les chiffres d'avant ne font pas. Ce que je mets dans ma poche, c'est des chiffres d'affaires. Elle m'a remercié de mettre des mots sur ce qu'elle traverse. Tiens, viens là même. Moi là je m'écoute, je me fais chier. À la fin d'un après, je me suis fait chier. Ok. Tu vois. Les placements, il y a un truc alambiqué un peu qui est intéressant. Au-delà de la technique, tu vois. Au général, l'attention est prime sur la technique. Mais là, c'est plus sur le. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de la prod. Tu t'es essoufflé, genre.
Non, juste le tour m'excite plus. Et si moi elle m'excite plus alors que je pose dessus, je suis censé la faire découvrir. Quand tu veux qu'elle excite des gens. J'étais seul, 307 000 personnes. Je parle de moins en moins, les chiffres le flont. Y'avait qui? Ah ouais, les chiffres. Y'a pas besoin de cette relance, on lâche dans ma poche. Et puis le chiffre d'affaires, t'es déjà ça qui va être des mots traverse. Y'a pas besoin de casse ton snap, et puis rentre chez Watt. Mais t'as cru que j'étais qui? J'ai tellement mis de moi-même qu'ils ont dit. Mais là y'en a trop qui rentrent d'un coup. Mais je vais prendre la cape. Moi ce qui me fait. Non, tu prends pas la cape. Non, bah, il est là le truc. C'est que j'ai l'impression. C'est pour ça que je suis un peu biaisé, j'ai l'impression que je voulais donner de moi. Parce que le texte il est pas mis en valeur là. Mais je vais pas mettre en valeur le texte, je vais juste construire par rapport à comment tu. Mais c'est justement ça. Mais le texte il est pas assez mis. Regarde. On est. J'étais ivre, connaissent le que je prends l'homme derrière. À 24 piges, je suis en train de vivre le rêve d'un gosse. Pourtant, il fallait enterrer les rêves d'un gosse. Eh babe. Ce que j'aime bien moi en général, c'est avoir des phases qui sont dures en même temps avec une prod qui contraste. Genre, il y a de la nuance entre les deux. Ouais. C'est pas noir là, noir là. Mais là, ce qui peut être pertinent, c'est justement d'aller pousser avec ce texte là-dessus. Tu vois. Après, moi, j'en ai d'autres des textes, c'est pas ça le souci. Non, mais j'ai l'impression qu'il est pas mis en. Mais je vais pas garder ce texte là, c'est juste pour construire autour de la voix, frérot. Pour savoir moi les fréquences que je peux utiliser. Mais si tu gardes la structure, tu gardes le texte. Mais le texte, on peut le réadapter, la structure, ça se bouge. C'est surtout pour savoir quels éléments je peux mettre et je peux pas poser. Pour toi, ce qui te gêne, c'est la relance ici là. Ben parce qu'il y a trop de trucs qui rentrent d'un coup. Avec tous les termes qu'ils utilisent, pour le moment, c'était, j'entends, dans ma tête, c'était wah, 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 wah. Tonalité, fréquence, avec l'ambiguïté du truc, à la cadence élevée. Les gars, parlez normal, je sais pas. Trop fort et tout. Ouais, y a des trucs, c'est pas logique. Ouais, c'est le cush. Toujours le même sourire quand je repasse à côté du Hilton où je bossais, fuck off. J'ai refusé de quitter ma chambre, elle est partie sans le moindre mot, je check. S'il me reste mes bijoux et mes cartes bancaires, c'est plus simple de baiser sans amour. J'aurais mieux fait de rester seul, que dans ma tête c'était flou, filles, c'était. Il nous reste gagner ce qu'on perçoit. Je t'ai perdu dans leurs mots. Vivre mes mots, c'était rien à côté de l'éloquence des formes. Oh, les gars, Gizmo. Eh, mais ça fait du sens, un feat Gizmo, Baby Jack. Pourquoi on n'a jamais pensé à ça? Oh. This makes sense. Eh, ça fait tellement du sens que les deux feat ensemble. Ça, c'est un feat bien pensé. Il a utilisé fréquence, genre il a besoin d'une acapella de Jacques pour avoir des fréquences de sa voix et pouvoir faire une prod avec laquelle il n'y a pas de conflit. Merci pour nous avoir expliqué en d'autres mots. Ça fait plaisir, ça. Juste pour que ça soit plus smooth. En gros, t'étais bonne, elle voulait me voir ce soir. Je suis déjà au studio, remets-nous un verre de Sky. Y'aurait pas eu de bon mal si la relation était restée saine. Let's go. Insoutenable comme la légèreté de Milan. Cherche les mots à glisser sur vos lèvres dans un 12 mètres. Vu sur un couple qui s'emmerde dans sa chambre. Me demande si ça. C'est que les deux sons d'avant, en fait, ils vont avec l'interlude qu'on a fait la dernière fois. Donc en fait, ça fait trois sons à la suite. Ouais, tu vas se dire, et en fait, tu crées une vibe et tout. Là, celui-là, il peut, enfin, tu sens moi, là, celui-là. Si, si, je le sens. Si, si, c'est juste qu'il fallait jeux, faut que je sois plus précis. Mais t'as combien de sons que tu veux sortir sur la tête? C'est un album, en fait, c'est pour la fin d'année. Et du coup, j'en veux entre 15 et 17, du coup, 16. Ok. Je viens tout juste de commencer, du coup. J'ai commencé il y a 3 semaines, là, j'en ai déjà 12. Il y en a 3 qui sortent, 9 qui rentrent. T'as vu? Après, comme ça, on va envoyer tout le monde en vacances, 2 semaines. On fait le point. Pas chroniqueur sale, ça. Mais attends. Je viens tout juste de commencer, du coup. J'ai commencé à 3. C'est pas sale, ça, c'est pas sale. Jamais sale, il aurait enlevé le masque. Même la voix, tu vois que la voix était plus faible que celle de Chroniqueur Sale. Sale, il a une voix plus imposante. Nouveau clip disponible le 30-11-2022. 30-11-2022, c'est dans 4 jours.
Précommande disponible. L'album il sort bientôt les gars, semaine prochaine. Vous savez on est où semaine prochaine et on écoute quoi? NBO fuck off.